know enough to say I live it now. On est où? Ça sera mis dans le vlog. On est à Annecy. Bon là on est dans des bouchons. Mais on y est presque, on y est presque, on y est presque. Disaster's always spread apart, a line of reason from the end. Bienvenue au lac d'Annecy. Oh, I've always had enough love to stay high, raise me up, ask for more. Aujourd'hui on va au plateau des Glières, c'est à 1800 mètres d'altitude et ce sera tout enneigé, ça va être trop beau. Et en attendant, je vous montre la vue qu'on a eue au réveil avec les Dents de l'Enfant et la Tournette tout enneigé. Petite vue sur le lac. Ici on a Sévrier. On s'en lasse pas quoi. À toutes. La satisfaction de marcher dans de la neige fraîche. Yes. Trop beau. Oh. On y est. All I can know is I've been there. I've been alone before. De ASMR pour vos oreilles. Fin de la randonnée des Glières avec le monument historique. Une belle montagne et un doute qui veut m'envoyer une boule de neige dans la tronche. Il est là. Ici. Hello, hello.
que ça tient bien? Est-ce que vous tenez bien? Oui, premier trépied improvisé de l'année. On revient de course et je voulais montrer trois choses qui sont obligatoires à acheter quand on vient à Annecy. Le premier, ce magnifique petit reblochon. Délicieux. Ce soir, on va le faire avec des patates rissolées. On va le faire fondre. On va couler sur les patates. Un bonheur. Et les bières, brasserie du Mont Blanc. La meilleure, c'est la Rousse. Je vous enlève l'obligation de toutes les goûter. Enfin, vous pouvez toutes les goûter, c'est super. Mais la Rousse, c'est la meilleure. Et la deuxième meilleure, c'est la blanche. Encore meilleure en été. En été, c'est juste parfait. Tada! Voilà, donc si vous venez au lac d'Annecy, vous avez une obligation d'acheter ces trois produits. Et de me dire si vous les avez. Aujourd'hui, on aimerait aller au Mont Semnos. Mais le temps, il n'est pas ouf. Il n'est pas incroyable. Je vais vous montrer. Il pleut, il grêle. Donc, pas sûr qu'on y aille. Mais il a bien neigé là sur les sommets cette nuit. Voilà, on verra bien. Enfin, vous en saurez plus si jamais vous avez la vidéo au Mont Semnos tout à l'heure. Donc on verra. Sinon, on ira sûrement demain. Voilà, c'est les aléas de la montagne aussi. On fait avec. C'est déjà très très bien comme ça. Ciao ciao à toutes. On y est. On est au Mont Semnos. Hold on, disaster's always spread apart my line of reason from the edge. Oh, I've always had enough love to stay high, but raise me young to ask for more. Patates rissolées, minestrone, obligatoire après une balade en montagne, et le magnifique reblochon fondu, accompagné de son petit pinot gris d'Alsace. Aujourd'hui, on est en route vers Manigod, un village près du lac d'Annecy à 45 minutes. Il est à 950 mètres d'altitude et on va voir un peu ce que ça donne parce que apparemment, d'après les webcams, c'est tout gris. Il y a déjà les nuages qui sont assez bas, donc on va voir. Mais bon, ça devrait être cool. Et on va aller à partir du village Manigod au col de la Croix de Fri. Croix de la Fri. Je regarderai, je suis plus sûre. Et ça c'est à 1450 mètres, un peu comme le plateau des Glières où on a été lundi. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte. Il va y avoir beaucoup de neige, ça va être cool et on vous emmène avec nous. Changement de programme. On est au col de Mer d'Acier, ça ne s'invente pas. Et on est entouré de neige et de petits chiens de traîneau. On est un peu dans les nuages.
un peu dans la neige, beaucoup même. C'est trop beau. Voilà les petits loulous. Ils sont pas très contents de me voir. Ouais. À la ferme de Lorette pour acheter du fromage et du genépi parce que c'est trop bon. On a testé hier. Let's go! Je sais pas. Il neige enfin pour le dernier jour. On a attendu ça. Hein. Dernière balade au lac d'Annecy pour cet hiver. Et pour toute l'année 2020. Jamais vu le lac aussi agité. Quelle idée d'aller sur un ponton. Thank you.